Bienvenue, bonjour, bonjour à toutes et à tous par cette belle journée ensoleillée. Bienvenue à tous ceux qui se sont réveillés ce matin et qui sont ici dans la salle. Bienvenue à vous derrière les écrans. Même si vous nous suivez en replay, on vous aime quand même. Est-ce que vous allez bien? Il y en a qui font comme ça. Est-ce que d'autres vont mieux? Alléluia. Amen. Amen. Alors j'aimerais juste une proclamation ce matin, vous dire simplement ceci. C'est psaume 23 qui dit que les bontés de l'Éternel et de sa miséricorde nous suivent tous les jours. Que vraiment l'Éternel soit béni dans ce lieu. Et le psaume 51 nous dit que nous devons ouvrir nos lèvres. Et on va prendre ce premier chant qui dit « Mes lèvres te louent », ce qui était là vendredi soir, on l'a pris et on a vraiment été bénis. Amen. « Mes lèvres te louent parce qu'il est mon rédempteur ». Dis à ton voisin maintenant, il est ton rédempteur. C'est pour ça que tu dois le louer. C'est pour ça que tu dois le louer. Alors, simplement, avant de commencer, simplement pendant que la musique fait un peu de bruit, piano et la guitare, la batterie s'il veut, simplement, allez trouver deux personnes, et dites-lui un mot gentil. Dites-lui, je te bénis mon frère, je te bénis ma sœur. Trouvez quelque chose d'original. Dites quelque chose de gentil et en retour, recevez quelque chose. En retour, recevez quelque chose de gentil. Parce que Dieu est présent dans ce lieu, amen. Et il veut vous bénir, il veut te bénir, alléluia. Alors ce matin, Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour l'amour qui règne, fraternel. Merci pour chaque personne qui est présente aujourd'hui. Et ceux qui sont derrière les écrans, on veut vous bénir. Au nom de Jésus, alléluia. Alors, est-ce que c'est bon? Vous avez tous reçu votre parole de bénédiction? Amen. Je vois plusieurs. Montrez-moi vos mains si vous avez été bénis déjà. Alléluia. Maintenant, le Seigneur va faire le reste. Alléluia. Amen, amen. Mes lèvres te louent. On y va. Restaurer mon âme.
première fois. Tu es venu restaurer mon âme. Il est breteux. Regarde si ton voisin chante. Mon cœur t'adore, sauveur tout puissant. Seigneur, tu es le Sauveur Tout-Puissant et ce matin encore, nous sommes réunis pour te célébrer. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie pour t'apporter notre louange, notre adoration. Alléluia, Seigneur, oui, tu nous as bénis. Ton nom est béni. Alléluia. Vraiment, béni soit ton nom ce matin. Est-ce que quelques-uns veulent lever la voix simplement, collectivement, dire Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu agis dans ce lieu. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Viens visiter ce lieu. Viens visiter ce lieu. Alléluia. Oh oui, nous voulons nous souvenir de tout ce que tu as fait par le passé, mais nous voulons déclarer ce que tu fais aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Chantons, béni soit ton nom. Sois ton nom, lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton gloire. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Oh, béni soit ton nom. Attention, béni soit ton nom,
quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Tes bienfaits envers moi, je te louerai, et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le temps, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as béni. En tout temps, je dirai que ton nom soit béni. Rechantons-le. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as béni. En tout temps, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, ton glorieux nom, ton glorieux nom. Alléluia, alléluia, amen, amen. Nous disons souvent, Seigneur, oui, tu as béni, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Nous te bénissons lorsque le soleil brille. Aujourd'hui, il brille. Amen. Te bénissons quand tout va bien. Mais lorsque l'épreuve arrive, est-ce que nous disons béni soit ton nom? Lorsque l'épreuve vient te former, qui est déjà passé par la moulinette du Seigneur? Je vois des mains qui se lèvent. Si tu n'y es encore pas passé, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il va falloir que tu y passes. Et si tu te laisses façonner par lui, ce sera beaucoup plus facile. Ne résiste pas lorsque Dieu vient te façonner. Ne résiste pas. Alléluia. Il est un Dieu puissant. Il est capable. J'aimerais qu'on prenne ce chant alors que peut-être tu es là dans un temps peut-être difficile. Et tu as besoin d'être renouvelé. Alors on va prendre ce chant, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Et pendant que nous prenons ce chant, j'aimerais que vous puissiez simplement vous rendre compte de ce que Dieu veut faire avec vous, ce que Dieu est en train de faire avec vous. Où il y a le passé, où parfois nous disons, Seigneur, nous n'oublions pas les bénédictions du passé. Amen. Mais nous savons, je sais que tu es capable de faire des choses merveilleuses aujourd'hui. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, si tu es dans l'épreuve, Dieu est capable de faire des choses aujourd'hui. Il ne l'a pas fait que hier, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dites avec moi, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Seigneur, viens nous sonder. Alléluia. Te louer, t'adorer,
en esprit et en vérité. Pour que d'un même cœur, avec un même chant, nos voix s'unissent pour te glorifier. Ô Seigneur, enseigne-nous à te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Pour que d'un même cœur, avec un même chant, nos voix s'unissent pour te glorifier. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes, ou bien par ton esprit, raviver notre amour, ou bien changer nos vies. Nous te donnons nos âmes, ou bien par ton esprit, raviver notre âme, ou bien changer nos vies. Ô Seigneur, souviens-toi de tes œuvres passées, de tes miracles et de tes hauts faits. Oui, renouvelle-les en ce jour, aujourd'hui, amen, pour que ta gloire soit manifestée. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons par ton esprit, raviver notre amour, on vient changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes, on vient par ton esprit, raviver notre amour, ou bien changer nos vies. Ô Seigneur, souviens-toi de tes œuvres passées, de tes miracles et de tes hauts faits, ce que tu as fait pour nous dans nos vies. Oui, renouvelle-les en ces jours, ces années, pour que ta gloire soit manifestée. Manifeste-toi aujourd'hui, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes, ou bien par ton esprit, raviver changer nos vies. Oui, viens changer nos vies. Oh, viens changer nos vies. Oui, viens changer ma vie. Oui, viens changer nos vies.
Seigneur, change ma vie, transforme ma vie. Fais de Jésus ton centre en tout temps. Alléluia. Fais de lui ton centre. C'est lui qui rallume ta flamme. Jésus, sois le centre. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir. Sois mon chant, Jésus. Jésus, sois le centre, on le rechante. Jésus.
sois le centre. Oh oui, sois la raison de ma vie. Oui, sois le feu. Saint-Esprit, souffle dans mes voiles. Commençons à lever nos voix en disant, oui Seigneur, ce matin je m'attends à ce que tu souffles un vent nouveau sur ma vie. Que ce feu que tu as allumé un jour en moi puisse continuer à s'embraser. Commencez à le déclarer. Oui Jésus, sois ma vision, sois le centre, sois le feu. Oh Seigneur.
en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, je lève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, qui per amado si chema ello corere. Alleluia, Romano, che ramano, o amen quasenanto. Ensemble, oui. Je t'adore. Je t'adore. Con amanto la begaia da solo. Je t'adore. Restons dans sa présence maintenant. On va partager ensemble la Sainte Cène. Alléluia. Tenez vos cœurs prêts. Un esprit d'adoration. Alléluia. Kondolo voci, kondolo voci inganamando. Alléluia. Alléluia, bienvenue à tous, chacun, chacune. On est heureux de vous retrouver dans la maison du Seigneur. Et avant de prendre le pain et le vin, eh bien, je ne vais pas vous poser la question pourquoi nous sommes réunis, parce que vous allez me dire, ben, c'est pour chanter, c'est pour louer le Seigneur, c'est pour prendre la Sainte Cène, c'est pour écouter un beau message, c'est pour rencontrer nos frères et sœurs, ok. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, eh bien, nous sommes réunis? Qu'est-ce qui a fait que? Eh bien, c'est parce qu'un jour, Dieu s'est souvenu de nous. Amen. Amen. Il s'est souvenu de nous, il s'est souvenu de la misère dans laquelle nous étions. Il s'est souvenu que le péché, eh bien, nous séparait de lui. Et il nous a envoyé un Rédempteur en la personne de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais vous partager un verset de Paul, dans 1 Corinthiens 6, 19, qui nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Alors que les premiers mots de ce verset, bien nous les connaissons tous, « Le Saint-Esprit est en nous ». Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi sur la fin de ce verset, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Moi, ça m'a sauté aux yeux un jour, et puis c'est vrai qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Du moment que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ et qu'il nous a rachetés, lui nous a rachetés, eh bien, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Quand vous allez dans un commerce et que vous achetez un objet et que vous payez le prix, eh bien, cet objet, il est à vous. Il est à vous et le commerçant, eh bien, il ne va pas en garder une partie. Et lorsque Christ nous rachète, eh bien, il nous veut tout à nous. Allô? Il nous veut tout à nous. On ne doit pas garder une partie pour nous. Soit vous appartenez à Christ, soit vous appartenez à vous-même. Et pourquoi vous appartenez-vous à vous-même? Ne vous appartenez-vous pas, pardon, c'est parce que Christ vous a racheté. Et lorsque vous avez été racheté par quelqu'un d'autre, eh bien, vous ne vous appartenez plus.
Alors comment a-t-il payé ? Ben, il a payé avec son sang. Ainsi, si vous avez été racheté par Jésus, souvenez-vous que vous ne vous appartenez plus. Il a payé le prix par son sang précieux. Et si vous voulez vous accrocher à votre vie, eh bien, gardez cela en mémoire, eh bien, vous n'avez pas été racheté à grand prix. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Et si vous appartenez à Dieu, eh bien, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Lorsque Jésus est mort sur la croix, eh bien, il a payé un prix global pour notre rédemption totale. Il n'a pas seulement racheté une partie de vous, il vous a racheté en totalité, esprit, âme et corps. Jésus est mort pour nous racheter et il nous a aussi affranchis du péché. En nous rachetant, il nous a également rendus libres. C'est rappelé dans Galates 5, verset 1, où Paul nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Non pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté de pouvoir dire non au péché, aux mauvaises paroles ou pensées ou actions, c'est-à-dire les actions de la chair. La chair, ce n'est pas seulement le manger et le boire, c'est aussi tout ce que nous pouvons voir, entendre, ressasser dans nos pensées, en faire des conclusions parfois biscornues. La parole nous dit que l'esprit a des pensées contraires à celles de la chair et la chair en a de contraires à celles de l'esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Et nous voulons aussi nous souvenir qu'il nous a aimés. Il nous a aimés, qu'il nous aime toujours et qu'il a été obéissant dans la mission que le Père lui a confiée. Et le fait d'être maintenant réunis en son nom, eh bien, a une signification bien particulière et profonde, parce que lui-même a réuni ses disciples le soir avant sa mort. Il les a réunis et a partagé le dernier repas avec eux. Et comme lui-même et le Père sont un, c'est rappelé dans Jean 10, 30, il nous invite aussi à être un avec lui maintenant, particulièrement dans ce moment de mémoire. Ce qui nous réunit aussi doit être l'amour. Amen. L'amour, c'est la chose la plus importante. C'est ce que Paul nous rappelle dans le 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens. L'amour que lui-même a eu pour nous et qu'il a toujours, l'amour que nous avons pour lui, et l'amour que nous devons avoir entre les frères et les sœurs. C'est très important, mes amis. C'est là le plus grand commandement qu'il nous a donné. C'est la loi royale, celle qui surpasse toutes les autres. Et Jésus dira à ceux-ci, tous verront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et si c'est le cas, eh bien, c'est aussi le plus grand témoignage que nous pouvons avoir pour le monde. L'amour doit être le moteur dans tout ce que nous entreprenons pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu, mais aussi pour les autres. Et c'est dans cet esprit de reconnaissance que nous voulons maintenant prendre ce pain et ce vin, qui sont son corps et son sang versés pour nous. Reconnaître et être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait, déjà fait pour toi dans ta vie et ce qu'il fera encore. Chaque cas est particulier, ta vie est une vie particulière. Ta vie à toi, ma sœur, mon frère, est particulière, elle est unique. Et ce que Christ a fait dans ta vie, eh bien, tu le sais et tu dois t'en souvenir maintenant. Il t'a certainement relevé dans des moments difficiles. Il t'a guéri, il était avec toi sur ton lit de souffrance, il était avec toi dans les traversées du désert. Et c'est le moment maintenant, en particulier, de te souvenir de ce qu'il a fait pour toi. Alors soyez tous bénis
les sœurs vont pouvoir commencer la distribution. Et voilà, nous voulons maintenant être reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Si vous voulez prier, levez la voix librement, hein. Nous, on est entre nous. Alléluia. À la croix, Seigneur, tu es devenu le roi. Alléluia. Son âme, mon Dieu, le Père, envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi. Les hommes l'ont rejeté, ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi. Croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Amen. Partout
toute la terre annoncer le Fils béni, vient de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est descendu jusqu'aux enfers pour venir sauver ceux qui étaient perdus. La porte de l'enfer a été pillée. Alors qu'il est monté sur cette croix, alors qu'il a souffert, il a donné sa vie pour toi et moi. Il est le plus grand des rois, et nous pouvons le chanter ensemble. Christ est roi, ah, Christ est roi. Qu'on peut le célébrer simplement en disant: Seigneur, oh, tu as donné ta vie pour moi, tu as donné ta vie pour nous, et c'est un grand privilège de t'appartenir. Alléluia. Vous pouvez prendre place, soyez bénis. Merci à toute l'équipe de Louange. Est-ce qu'on peut simplement les encourager? À toute l'équipe technique aussi, qui travaille dans l'ombre. Alléluia. J'ai la mission de passer les annonces. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la toute première fois dans ce lieu? Des visiteurs, personnes? On va en avoir cet été, j'en suis sûr. Alors, tous les autres, on vous salue aussi, vous tous qui êtes sur le net, on vous bénit richement. On a des visiteurs du Canada. Coucou, on est content de te voir, Marie, avec les enfants. Sois bénie. Amen. Elle a pris l'avion exprès pour venir nous voir. Alléluia. Alors, donc, c'est une grâce de pouvoir vous servir. Donc, mardi matin, nous avons... pas de réunion ici. Alors, il y a quelqu'un qui est venu mardi matin. Il n'y a pas de réunion ici. C'est sur le net que ça se passe. Donc, vous avez le Spark Bible au cœur de la parole à chaque mardi matin. Sauf que mardi, il y a eu un problème. Ah, ouais, c'est ma faute, en fait. C'est ma faute. Ce n'est pas le réveil qui n'a pas sonné, comme certains le croient. Non, non. Le réveil était là. Voilà, c'est un problème technique que nous allons résorber très rapidement. Mais je ne sais pas si vous avez vu... On a quand même des problèmes de connexion, de Internet en ce moment. Alors, c'est pas beaucoup plus lent. On a vraiment des problèmes. Voilà, je pense que c'est la chaleur. Ça doit être la chaleur qui tape sur les antennes. Voilà, donc c'est un petit peu difficile en ce moment. Dernière réunion de prière Zoom, mercredi soir, mois d'août, c'est relâche. Donc, 20, 10, venez nombreux le mercredi soir. C'est important, le temps de prière que nous avons le mercredi soir, 19h30. Vous vous connectez sur Zoom. Alors, il y a des gens qui disent: « Ah, mais moi, je n'aime pas prier derrière un écran. » Mais tu sais, c'est exactement pareil que si tu m'as en face. Et tu ne pries pas pour moi, tu pries pour le Seigneur. Tu pries avec le Seigneur. Donc, vraiment, on vous invite. En septembre, on va relancer les soirées de Zoom avec des nouveautés. Je vous assure que ça va être formidable. OK. Aujourd'hui, nous avons un message à vous apporter. Enfin, c'est ma femme qui va vous apporter un message, ma petite femme chérie. Elle a travaillé dur pour ce message.
et elle va nous apprendre comment ne jamais abandonner. Est-ce que c'est pas beau? Alors vous pouvez l'encourager après dans quelques instants. À la fin de la réunion, donc pour ceux qui sont dans la salle Espace Oasis, vous pouvez venir, on va prier pour vous si vous avez besoin de prière. Je sais qu'il y a des besoins, courez pas pour partir vite, mais surtout venez, on a vraiment à cœur de prier pour vous. Le comptoir de librairie est ouvert après le culte, donc allez-y, il y a des bibles, il y a toutes sortes de choses, des livres, lisez parce que c'est important. J'ai fait la promo du livre la semaine dernière de Philippe de Courroux sur Libéré, donc je vous encourage à aller le prendre, ça l'encouragera lui aussi. Et il a vraiment, c'est un livre que vous pouvez donner pour le témoignage, pour si vous avez des amis à qui vous voulez parler de l'Évangile. Ok, il y a aussi les bulletins d'adhésion qui sont à l'arrière, donc vous pouvez déjà les prendre, les remplir et on vous distribuera ces débuts. Les fichiers seront envoyés lundi avec les statuts, nouveaux statuts, tout ça, seront envoyés par Internet individuellement. Est-ce que ce n'est pas magnifique? On a pris du retard parce que c'est beaucoup de travail et donc vous les aurez. Voilà. Ok. Donc le prochain culte, semaine prochaine. Samedi soir, il y en a qui suivent, c'est bien, hein, franchement. Ça fait 20 ans qu'on fait le culte le samedi soir, le dernier samedi du mois. C'est extraordinaire, ça commence à rentrer, alléluia. Je bénis Dieu que lorsque j'aurai ma retraite, tout le monde aura compris. Non, c'est une blague. On veut aussi saluer les vacanciers, il y en a plusieurs qui sont en vacances, qui nous regardent. On veut les bénir aussi, on vous bénit là où vous êtes. Je sais que plusieurs nous envoient des petits mots régulièrement, donc si vous partez en vacances, envoyez-nous un petit mot, ça nous fait toujours plaisir. Mettez sur le WhatsApp de l'église. Je vois que ça fait toujours plaisir à ceux qui sont partis ou ceux qui sont là aussi. Certains se disent, ben moi, je n'ai pas la chance de partir, mais je reçois un petit mot. Voilà, donc avant de terminer, j'aimerais qu'on puisse se lever un instant. Et la semaine dernière, mea culpa, j'ai oublié de prier pour l'offrande. Et Dieu sait que l'offrande, c'est important, c'est quelque chose. C'est un élément du culte, tout comme la Sainte Cène, tout comme la louange, tout comme la prédication. Et on veut aussi bien honorer le Seigneur avec nos offrandes que vous pouvez déposer en entrant, en sortant, en faisant un don via directement un virement bancaire ou par PayPal. Il y a tellement de possibilités maintenant. Donc on veut juste prier, peut-être courbons nos têtes un instant. Seigneur, ta parole est fidèle et elle nous encourage à vivre la foi en tout domaine. Seigneur, merci pour ta fidélité dans le domaine des finances, pour nos vies personnelles, mais aussi pour l'Église, aussi pour tous ceux qui aujourd'hui donnent avec joie, donnent avec reconnaissance. Eh bien, nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce que nous savons que ce que nous semons, nous allons le récolter. Si nous ne semons pas, nous ne récoltons rien. Si nous semons peu, nous récolterons peu, dit ta parole. Nous ne voulons pas être des radins et nous voulons donner avec cœur, avec joie, pour que ton œuvre puisse avancer, pour les missions, pour tous ceux qui aujourd'hui ont besoin d'entendre l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Nous voulons te bénir pour chaque personne qui fidèlement, dimanche, semaine après semaine, donne fidèlement pour ton Église. On bénit le Seigneur et tout le monde dit, soyez bénis. Moi, je vous laisse tout de suite et je reviens tout à l'heure. Allez, on peut encourager mon épouse. Alléluia. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Amen. Qui c'est qui est venu avec la parole de Dieu ce matin? Ramenez la parole de Dieu. Ramenez-la. Il y a tellement de joie à l'ouvrir. J'aime le papier. J'aime le papier. J'aime tellement... Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de moyens aujourd'hui. On a Internet, on a les téléphones portables, on a toutes ces choses. Mais la parole, ah là là. Alors, je suis heureuse que vous alliez bien. Ah Seigneur, merci pour ce temps de partage. Merci pour ce temps où nous pouvons nous réunir dans la louange, dans l'adoration et autour de ta parole. Je prie que ton Saint-Esprit fasse son œuvre dans les cœurs et que ta parole, tellement précieuse,
porte du fruit dans chacun de ces cœurs qui est présent ce matin et ceux qui entendent par la suite. Merci pour ta parole et que toute la gloire te revienne à toi seul. Amen. En tout cas, je suis très heureuse de retrouver des vacanciers. C'est bien de revenir à la maison. Soyez bénis. Et je souhaite par avance de bonnes vacances à tous ceux qui vont partir, tous ceux qui auront l'occasion de se reposer. Alors, Seigneur a mis ce thème sur mon cœur. N'abandonne jamais. Qui d'entre vous avait déjà eu cette pensée que c'est trop dur, prêt à abandonner? Il n'y a pas de honte. Des fois, la vie est difficile. Oui, des fois, la vie est difficile. Mais malgré les circonstances de ta vie et tout ce que tu peux voir autour de toi, je veux te le redire ce matin. N'abandonne jamais. Jamais, jamais. La promesse de Dieu est pour vous. Et cette promesse, c'est que vous n'êtes pas seul et que Dieu vous aime. Et nous aussi, ici à Vie Chrétienne, on vous aime. Déjà ça doit être un encouragement pour vous. Et quand Dieu est avec nous, j'entends un bruit. Pourtant j'ai enlevé les boucles d'oreilles, ce n'est pas les boucles d'oreilles qui font cling-cling ce matin. Quand Dieu est avec nous, rien ne lui est impossible. Rien ne vous est impossible. Alors je sais qu'il y a des situations difficiles. Il y a des divorces, il y a des licenciements. Il y a des deuils. Oui, il y a des moments difficiles dans la vie. Et par moments, c'est vrai que nous pourrions être tentés d'abandonner. Mais la chose la plus importante à ce moment-là, justement, c'est de faire encore plus confiance à Dieu. Encore plus et de garder espoir. Nous avons chanté ce matin, « Jésus, tu es mon espoir. Sois le centre, sois mon espoir. » Et dans ces moments-là, ce qui est important, c'est de rester ancré sur le rocher de notre salut. L'espoir, mes amis, c'est l'anticipation pleine de confiance que quelque chose de positif va se produire très prochainement. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une anticipation pleine de confiance, pas en nous, mais en lui. L'espoir est étroitement lié à notre foi, à nos croyances, à nos conceptions. Et quand nous osons espérer, notre vie se trouve aussi subitement inondée d'une paix malgré les circonstances et d'une joie. Une joie qui ne s'explique pas. Et celui qui veut nous voler toute espérance, c'est le diable, qui veut nous faire croire que tout est perdu. Mais Dieu veut que nous nous attendions à lui dans toutes les situations de notre vie, que ce soit des petits détails de la vie de tous les jours ou des choses plus importantes. Nous pouvons lire dans Romains 15, au verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je crois que pour la plupart d'entre nous, nous avons tous, oui, eu des moments difficiles. Peut-être vous les traversez en ce moment. Peut-être sont-ils passés. Gloire à Dieu. Pour certains, peut-être, le passé a été difficile. Peut-être y a-t-il eu... J'ai vraiment eu cette pensée de placement dans une famille d'accueil. Peut-être. Peut-être des violences subies dans la famille ou par tierces personnes. Peut-être un climat de tension ou d'alcoolisme dans les familles. Je peux en parler, j'ai connu ça dans mon passé. Ou peut-être un abus sexuel. Oui, il y a eu des moments difficiles et il y a des moments difficiles dans la vie. Et toutes ces choses, malheureusement, laissent des traces. Et ces traces... Il n'y en a qu'un qui peut les guérir, c'est Jésus. Lui seul peut guérir toutes ces traces. Et lorsque sa main guérissante vient, lorsqu'elle passe dans notre vie, alors nous pouvons retrouver l'espoir. L'espoir d'une vie meilleure,
et nous attendre à la bonté de Dieu. Car vous le savez, Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. J'aime ce passage. Il y a plusieurs passages que j'affectionne particulièrement dans mon cœur. Et celui-là en fait partie. Il n'a pas changé. Même si aujourd'hui c'est difficile, je sais qu'il n'a pas changé. L'espoir a besoin de renaître premièrement dans nos pensées, ensuite dans nos paroles et après dans nos actes. Même si l'ennemi veut te convaincre que rien ne peut changer, mais avec Dieu, ça peut changer. L'espoir, c'est prendre une décision, prendre soi-même la décision délibérée vers le positif. Et sachez que même si aujourd'hui ta vie est un chaos, ce qui peut arriver, Dieu peut en faire quelque chose. Dieu peut en faire quelque chose. Pour cela, il faut s'accrocher à lui. Une personne qui, malgré les circonstances difficiles de sa vie, continue de croire la parole de Dieu, continue de croire ce que Dieu dit, cette personne ne sera jamais, jamais vaincue. Jamais. Alors si aujourd'hui, tu chancelles, serre cette parole sur ton cœur et tu ne seras pas vaincu. Même quand la tempête fait rage, Dieu est là. Et n'oublie pas que Dieu est le Dieu des nouveaux départs, des nouvelles chances. Et Dieu ne donne pas une seule chance, il en donne plusieurs. Notre problème, c'est que souvent nous voulons voir avant de croire. On connaît l'exemple de quelqu'un, hein ? Vous le connaissez ? Et pourtant, on sait, et quand je préparais ce message, j'ai vraiment eu cette pensée que Dieu opère d'abord en arrière-plan. Avant de nous montrer, il opère en arrière-plan. Si vous prenez, par exemple, une pièce de théâtre, quand vous allez voir la pièce de théâtre, vous vous dites « Waouh, chouette, elle est superbe !» Mais avant qu'elle ne soit superbe, avant que vous ne puissiez vous réjouir et applaudir, il y a eu tout un travail en amont. Et Dieu agit ainsi. Il travaille en arrière-plan. Il y a plein de préparatifs en arrière-plan pour que le jour où la bénédiction vient, waouh, vous ne pouvez dire que waouh. Est-ce que vous le croyez ? Moi, je le crois. Oui, moi, je le crois. Alors, dans l'Ancien Testament, on voit, à un moment donné, le peuple juif qui a été déporté par Dieu et établi, à un moment donné, Dieu établit par le prophète Jérémie, que nous allons lire, que le séjour du peuple juif qui a été déporté sera long. Dieu l'a vu. Oui, il sera long. Et Jérémie invite à ce moment-là les déportés à bâtir des maisons, à se marier, à fonder des familles et surtout à rechercher la paix. La paix de Babylone et de prier pour sa ville. Et la paix pour cette ville sera également le gage de leur propre paix. Et dans ce temps, quand vous lirez ce passage, dans ce temps, on voit que Dieu ne fait rien. Dieu, il observe, mais il ne fait rien. Il les laisse. Et des fois, dans nos épreuves, on a le sentiment que Dieu ne fait rien. Il voit, mais il ne fait rien. Et Jérémie est chargé d'adresser des consolations au peuple, des encouragements, des promesses à tous ceux qui acceptent humblement l'épreuve. Et nous pouvons lire dans Jérémie 29, 10 ce que Dieu dit à ce moment-là. Dès que 70 ans seront écoulés, donc Jérémie 29, 10, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Une chose est certaine, Dieu veut nous aider quand nous sommes dans les moments difficiles.
Dans le psaume 38, 18, il est dit « Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en lui. » Le doute et la négativité nous tirent vers le bas. Mais l'espoir libère une joie dans notre cœur. Et Dieu veut que, quelles que soient tes circonstances, il veut aujourd'hui te donner un espoir nouveau. Amen. Un espoir nouveau. Alors, si tu es fatigué, si tu es découragé, si tu peines à avancer, je veux te dire que ce message est pour toi ou ceux qui le regarderont par la suite. Dans Zacharie 9, 12, nous pouvons lire, Seigneur, il dit, « Retournez à la forteresse, prisonnier plein d'espérance. » C'est fort. « Aujourd'hui encore, je te rendrai le double. » Qui n'a pas envie du double ? Alors, que veut dire prisonnier de l'espérance ? Je pense que cela veut dire que, quelle que soit ta situation, garde espoir. Garde espoir. Ne laisse jamais le doute venir, mais garde espoir. Et ainsi, continuez à faire confiance au Seigneur. Parce que Dieu veut te donner le double. Il veut te rendre le double de ce que le diable a pu détruire dans ta vie ou il a pu voler. Est-ce qu'il vous a déjà volé des choses ? Je crois que oui. Hein. Nous pouvons tous dire que oui. Dans Hébreux 6, 19, nous pouvons lire cette espérance que le Seigneur veut que nous ayons. Nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Alors vous savez tous ce que c'est qu'une encre, n'est-ce pas ? Elle permet, à un moment donné, lorsque le bateau est en mer, elle permet à ce bateau de rester au même endroit et de ne pas partir à la dérive. Et là, il est parlé d'une encre solide et sûre de l'âme. Alors imaginez votre âme, vous jetez l'ancre. Rien ne peut vous faire dériver si vous gardez cette espérance. Notre âme nous communique ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous voulons aussi. L'espoir, c'est cette ancre qui nous tient attachés au Seigneur. Et cette ancre, cette âme vous dit, allez mon grand, baisse pas les bras, vas-y, continue ta marche. Tu ne partiras pas à la dérive. Parce que ton espérance, cette ancre, elle est attachée dans le Seigneur. Et j'ai relu ce passage de cette histoire que j'affectionne particulièrement, c'est l'histoire de Joseph. J'aime cette histoire. Elle est tellement riche. Cette histoire nous montre que Dieu avait déjà tout prévu en avance. Nous l'avons lu. J'ai des projets de paix et non de malheur. Et le Seigneur avait prévu cela aussi pour Joseph, même s'il a vécu des choses difficiles et totalement injustes. Le récit de sa vie, je vous invite à le lire chez vous. Il est long. Vous pouvez le trouver dans Genèse 37, 38, 39. C'est une magnifique histoire. Et j'ai vraiment pris du plaisir à la relire. Joseph est un homme bien connu de la parole de Dieu. Vous le connaissez pour certains. Quand Joseph était petit, il était le chouchou de son papa, Jacob. Parce qu'il l'a eu dans un âge avancé, avec aussi son épouse préférée, Rachel. Et Joseph, le fait d'être le chouchou de son papa, oui, il lui a valu des misères. Son père l'a vraiment avantagé. La Bible nous dit qu'il lui avait fait une belle tunique de plusieurs couleurs. Pour l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement valorisant, cher aussi. Et c'est un cadeau qu'il avait fait à son fils.
Et d'où l'importance, en tant que parent aussi, de ne pas faire de différence entre les enfants. Parce que le fait qu'ils soient le chouchou a créé quand même pas mal de jalousie dans cette fratrie. Alors je vous invite, en tant que parent, ne faites jamais de différence entre vos enfants et surtout ne les comparez pas. Et le Seigneur avait donné deux rêves à Joseph. Complètement fou, mais deux rêves. Et évidemment, il s'est empressé de les raconter à sa famille. Et ça aussi, ça a mis de l'huile sur le feu, évidemment. Et à cause de la jalousie, ben, les frères, ils ont voulu se débarrasser de lui. Alors ils l'ont jeté, à un moment donné, dans une citerne. Alors imaginez l'avenir de Joseph. À quoi est-ce qu'il a pensé quand il était au fond de cette citerne? Pensez-vous qu'il a réfléchi à son avenir? Je ne sais pas. Et ensuite, grâce à son frère Ruben, finalement, sa vie a été épargnée, mais ses frères ont décidé de le vendre. Ils l'ont vendu à une caravane de Madianites qui passait. Pour 20 pièces d'argent, il a été vendu comme un objet. Et là aussi, être vendu comme esclave, finalement, ça ne lui promettait pas un bel avenir, parce que les esclaves étaient malmenés quand même. Alors, je me suis dit, comment est-ce que Joseph a gardé espoir à ce moment-là? D'abord la citerne, et après il est vendu. Et ensuite encore, ces Madianites qui l'ont acheté, finalement, ils l'ont revendu, encore comme un objet qui ne vaut rien. Ils l'ont revendu à Potiphar. Potiphar était le commandant des gardes de Pharaon. Mais lui, il a vu quelque chose en Joseph et il lui a confié des responsabilités. Il lui a confié sa maison et lui a dit, voilà, je te donne la gestion de ma maison. Et là, j'ai vu vraiment une belle promotion pour Joseph. Alors pourquoi est-ce que Potiphar, il a fait ça? Parce qu'il a vu. Dans Genèse 39, 2, il est dit, l'Éternel, malgré tout ce qui est arrivé à Joseph, l'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Waouh ! À ce moment-là, on pourrait aussi se dire, bon, ça y est, Joseph, il est tiré d'affaire. Ça y est, il a atteint un bon poste, il a un bon job, haut fonctionnaire, mais, Joseph était un beau jeune homme. Enfin, je le crois, puisque la Bible nous le dit. Je n'ai pas vu, mais la Bible nous le dit. C'était un beau jeune homme. Et la femme de Potiphar, elle aimait les beaux jeunes hommes. Alors, elle lui a fait des avances. Hein. Mais Joseph, le Seigneur était avec lui. Il est resté fidèle. Elle a essayé de le piéger. Joseph a dit non. Non. Je veux rester fidèle à mon maître, celui qui m'a confié la gestion de sa maison, celui qui m'a fait confiance. Je veux rester fidèle. Et ensuite, évidemment, la femme de Potiphar, elle est allée se plaindre, n'est-ce pas? Elle avait de quoi se plaindre. Et Potiphar a préféré croire son épouse. Malheureusement, une nouvelle injustice pour Joseph. Il est jeté en prison. Il est jeté en prison. Et là, on pourrait se dire, moi, je me suis mis à la place de Joseph. Oh, je me suis dit, oh là là, j'aurais certainement rousse pété. J'aurais certainement dit, mais Seigneur, mais c'est pas juste, quoi. Après tout ce que j'ai fait, je suis droit et voilà encore une injustice. Mais non, Joseph était plus intelligent. Joseph était plus sage. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas tourné le dos au Seigneur. Au contraire, il est resté, son âme est restée attachée au Seigneur. Il aurait pu dire, Seigneur, trop, c'est trop quand même. Mais
Son seul soutien dans cette tempête, dans cette nouvelle tempête, c'était le Seigneur. Et ensuite, il a été oublié. Il a été oublié dans la prison. Il a fait la connaissance de l'échanson du roi et du panetier. Et à un moment donné, l'échanson du roi, on le libère. Il lui avait fait une promesse. Il a dit, lorsque je sortirai, je plaiderai ta cause. Est-ce qu'il l'a fait ? Il ne l'a pas fait. Une fois de plus, Joseph aurait pu se dire, franchement, je peux faire confiance à personne. Encore un coup difficile, et ainsi de suite. Coup sur coup sur coup. Il aurait eu de quoi se décourager. Il aurait eu de quoi dire, Seigneur, là, tu n'es plus avec moi. Je jette l'éponge. Mais il ne l'a pas fait. Alors, toutes ces situations, vraiment, auraient pu le déprimer. Mais il a gardé dans son cœur cette relation avec le Seigneur et les promesses du Seigneur. Et sa persévérance l'a amené à triompher à cause de la foi qu'il avait. Joseph n'a pas abandonné. Si lui n'a pas abandonné, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. Nous pouvons tous tomber à un moment donné dans une fosse. Oui, nous pouvons. Par notre faute, ou même par la faute de quelqu'un d'autre. Que ce soit un gouffre financier, que ce soit relationnel, familial. Mais dis-toi, dis à ton âme, jamais je n'abandonnerai. Jamais je n'abandonnerai. Oui, il y aura des tribulations dans la vie. Jésus a dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Et le Seigneur l'a vaincu pour vous. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, sois confiant, quelle que soit ta situation, sois confiant, sois intrépide et certain que je suis là. Car j'ai ôté au monde le pouvoir de te nuire. Je l'ai vaincu pour toi. » Alors, j'ai trouvé cette histoire, on raconte qu'en 1941, Winston Churchill s'est exprimé dans une école de Harrow et à tous ses diplômés, alors il leur a certainement dit beaucoup de choses, mais il leur a dit « Jamais, 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 n'abandonnez jamais. » Amen. Jamais. N'abandonnez jamais. Que vous soyez confronté à d'immenses ou de minuscules choses, que ce soit impressionnant ou insignifiant, n'abandonnez jamais. Et ce que le Seigneur voulait dire dans ce passage que nous avons lu, prenez courage, j'ai déjà vaincu le monde. Alors, prends un moment et pense à l'épreuve que tu traverses. L'épreuve qui est devant toi, ou peut-être qui vient juste de se terminer. Et dis-toi, jamais je n'abandonnerai à cause de ce que Jésus a fait pour moi, pour toi. Pas seulement pour ton voisin, il l'a fait pour toi. Alors, traverser des moments difficiles, comme je vous l'ai dit, c'est inévitable. Et des fois, on a envie de jeter l'éponge. Mais accrochez-vous. Accrochez-vous au Seigneur. Il peut prendre ce qu'il y a de mauvais dans l'épreuve que tu traverses. Et il peut en faire quelque chose de bien. Même si ça paraît impossible ou impensable. Et le Saint-Esprit veut te dire, n'abandonne pas, parce que Dieu a tellement de choses en réserve pour toi. Si tu as un rêve, si tu as des rêves, crois-y. Ose espérer des jours meilleurs. Ose espérer que peut-être tu seras un entrepreneur. Ose espérer que tu seras une bonne maman, un bon papa. Ose espérer
que tu peux décrocher un nouveau job. Ose espérer qu'à nouveau, tu peux être heureux. Amen. Ose. Ose espérer. Ne jette pas l'éponge. Ose espérer. Quand tu es dans l'épreuve, quand tu es au fond du gouffre, le point de vue que tu adoptes, le point de vue que tu décides d'adopter fera toute la différence. Alors utilise, quand tu es dans ces moments, utilise ce temps pour chercher le Seigneur et laisse-le te façonner, parce qu'il utilise l'épreuve aussi pour te façonner. Il n'est pas à l'origine de l'épreuve, mais il l'utilise pour te façonner. Et quand vous avez l'impression que Dieu ne fait absolument rien, c'est encore plus vital de s'accrocher à lui et de lui faire confiance. Jésus est le seul chemin qui peut te sortir de l'épreuve. Alors, ne le blâmons pas quand nous sommes dans l'épreuve. Ne le blâmons pas en pensant peut-être qu'il veut nous punir. Mais je sais une chose, c'est qu'il utilise la situation, il utilise l'épreuve pour travailler dans notre vie. Alors, quand tu es dans l'épreuve, fais ce qui te semble juste, mais fais-le, même si tu as le sentiment que personne ne le voit. Si tu as pris des engagements dans ta vie, honore-les, même si c'est difficile. Mais une chose est certaine, quand on est des fois dans l'épreuve, on a envie de s'isoler. Mais il ne faut surtout pas le faire. Parce que le Seigneur veut utiliser un tel, un tel, un tel pour te parler, pour te bénir. Alors, j'ai trouvé cette histoire, vous l'avez peut-être déjà entendue, l'histoire de l'âne. Un jour, il y a un fermier qui avait un âne et malheureusement, son âne est tombé au fond d'un puits. Il est tombé au fond de puits, le pauvre âne. Et cette histoire ou cette anecdote nous dit qu'il était très vieux. Et le puits était très profond, beaucoup plus profond que l'image que j'ai trouvée. Et finalement, comme il était vieux, bon, il n'était plus très rentable. Alors le voisin a appelé ses voisins et ils ont décidé de fermer le puits. Alors ils sont venus avec leur pelle et ils ont fermé le puits. Une pelle, un après l'autre a mis une pelle. Et l'âne hurlait, il hurlait, il hurlait pendant un temps. Et l'âne, à un moment donné, il a réalisé ce qui se passe. Et il s'est dit, non, 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 moi j'abandonne pas, hein. Je me secoue. Et il s'est secoué. Et à un moment donné, le fermier n'entend plus rien. Et il va voir ce qui se passe. Et vous savez ce qu'il a fait? À chaque pelletée qui lui est tombée dessus, il s'est secoué. Et qu'est-ce qui se passe quand on se secoue? Tout est tombé. Et il a marché dessus. Et la suivante, il se secoue. Il marche dessus. Et au fur et à mesure, il est monté, il est monté, il est monté, et il a été libéré. Amen. Il a été libéré. À la grande surprise de tous les voisins qui étaient venus finalement pour l'enterrer, ils l'ont libéré. Et l'âne a pu sortir et il a pu trotter. Et la vie peut parfois essayer de nous engloutir sous différents détritus. Et le truc pour s'en sortir, c'est de se secouer. Amen. Il ne faut pas dire non, je garde. Non, non, il faut se secouer. Chacun de ces ennuis est une pierre, mais elle peut te faire progresser. Si tu te secoues et que tu peux remonter à la surface, elle t'aura fait progresser. Et j'aime cette histoire parce qu'elle nous apprend, elle nous donne des leçons. Et de temps en temps, oui, la vie nous envoie des saletés sur notre dos. Et dans ces moments-là, il faut écouter le Saint-Esprit qui nous inspire, qui nous aide à nous secouer et nous aide dans ce que nous devons faire. Et il nous montrera comment se débarrasser de ces saletés qui tombent.
J'aime la parole de Dieu. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, que vous aimez beaucoup, mais il y a des moments, aïe, on serre les dents. Ce verset, c'est l'apôtre Paul qui a voulu encourager les Romains. On peut le lire au chapitre 8, au verset 28. Et il leur dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. N'est-ce pas que vous aimez ce verset? Moi, je l'aime, mais il y a des jours. Ce passage, malheureusement, a été souvent utilisé à tort, n'importe comment. Et bien des gens ont été blessés par ce passage. Parce que personne n'est dans l'épreuve, on lui dit « Oh, t'inquiète, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Oui, mais quand l'épreuve est difficile, soyons sages, soyons sages. Parce qu'une chose est certaine, Dieu ne prend jamais de plaisir à nous faire du mal. Mais dans l'épreuve, dans laquelle tu es, Dieu veut t'aider. Alors il va utiliser l'épreuve pour faire quelque chose de bien. L'épreuve n'est pas là parce que Dieu la veut, parce que Dieu veut te punir. Mais dans l'épreuve, Seigneur, il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Je vais maintenant utiliser cette épreuve et je vais l'aider à s'en sortir. Seigneur utilisera le mal qui est là, qui te fait souffrir, et il va en faire quelque chose de bien, qui va te relever. Dans 1 Thessaloniciens 5, il est dit, « Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Les problèmes de la vie peuvent nous endormir, peuvent nous éloigner de la parole de Dieu, peuvent nous éloigner du Seigneur. Verset 7, « Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. » Dans ce passage, je vois deux situations. La facilité, dormir, s'enivrer. Et la deuxième, la vigilance. Veillez, restez sobres malgré les circonstances. Et revêtir la cuirasse de la foi et le casque de l'espérance du salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, la facilité, c'est de se laisser glisser, de se laisser aller, de douter. Et attendre, tout simplement. Mais il y a un autre choix, la solution avec Dieu. Enfiler la cuirasse de la foi. Alors pourquoi la cuirasse? Pourquoi l'apôtre Paul n'a-t-il pas tout simplement dit « Restez dans la foi » Non, il est allé plus loin, enfiler la cuirasse. Cela montre qu'il faut se protéger. Vous savez ce que c'est qu'une cuirasse? Elle protège. Elle nous protège des flèches enflammées de l'ennemi qui viennent sur toi. Mais la cuirasse est là. Elle te protège. Elle protège ton dos et elle protège ton cœur. Et en mettant cette cuirasse, oui, on est protégé par le Seigneur. Et l'ennemi de ton âme ne peut pas te faire vaciller. Parce que tu es entouré par cette cuirasse. Amen. Alors, rappelez-vous Joseph, malgré tout ce qui lui est arrivé, lui, il avait cette cuirasse. Il est resté attaché au Seigneur. Et c'est alors que Dieu va utiliser cette situation de bataille, de guerre qui fait rage, pour sortir quelque chose de positif dans ta vie. Alors, dans le verset qu'on a lu de Romains 8, 28, est-ce que tu comprends la différence entre Dieu qui permet la situation pour t'enseigner, pour te punir? Ou alors, oui, je souffre, mais je sais que Dieu va utiliser maintenant cette situation.
le mal qui est là, ce qui me fait souffrir, le Seigneur va l'utiliser. Il va faire quelque chose de bien pour moi. Je le sais. Amen. Le désespoir, le matin, il te souffle à l'oreille. Oh, laisse tomber, ça ne sert à rien. Jette l'éponge. Ça ne sert à rien de se battre. Mais l'espoir te dira le matin. C'est aujourd'hui le jour J. C'est aujourd'hui que va se produire le miracle. Que va se produire l'impossible. Parce que Dieu est avec moi. Dieu est avec vous tous les jours, il l'a promis. Il n'y a pas de place pour le doute. Parce que si tu portes cette cuirasse, rien ni personne ne pourra atteindre ton être intérieur. Les flèches, elles peuvent des fois atteindre ton corps. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, non. Tu restes attaché avec cette ancre au Seigneur. L'ennemi ne peut pas toucher ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, notre carapace, elle prend des coups, mais notre cœur, non. Et quand je pensais à ce moment où on se dit le matin, non, c'est aujourd'hui, je pensais à une femme enceinte, une femme qui arrive au terme de sa grossesse. Est-ce que vous croyez qu'elle a des doutes que le bébé va arriver? Ben non, elle sait qu'il va arriver. Même si tu lui dis, ben non, il viendra pas. Ben si, il va arriver, puisque c'est le terme. Et la foi, c'est pareil. Bien sûr, oui, le Seigneur agira. Je sais qu'il agira. Et la maman qui arrive à la fin de sa grossesse, elle sait que le bébé va arriver. Elle va arriver. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de place pour le doute. Et nous devons être comme cette femme enceinte. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui que le Seigneur agira. Pour moi, le Seigneur fera quelque chose de miraculeux pour moi aujourd'hui, mais je ne dois pas abandonner. Amen. Le bébé va arriver. Le miracle que tu attends, il va arriver. Alors, l'apôtre Paul, tantôt, il parle de la cuirasse de la foi, mais vous savez que par moment, il utilise une autre expression, le bouclier de la foi aussi. Et dans les deux cas, la foi, c'est ce qui nous permet de refouler les attaques de l'ennemi. Et c'est par la parole de Dieu est comparée à une épée que nous sommes victorieux. Si on a la foi, la parole sort de notre bouche. La parole de Dieu sort de notre bouche et c'est elle qui va produire le miracle. Éphésiens 6, 16 dit: prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est par la foi qui est libérée au travers de la proclamation que le miraculeux arrive. Amen. Le Seigneur a dit qu'il est avec nous. Le matin, dis-toi, je sais que le Seigneur est là. Je sais qu'il m'aime. Et je sais qu'il me protégera. Il me donnera la force, il me donnera la grâce de faire ce que j'ai besoin de faire. Et il en fera quelque chose de bon. Alors, je ne comprends pas, mais lui, il sait par avance. D'ailleurs, Charles nous en a parlé la semaine dernière. Le Seigneur sait déjà toutes choses par avance. Oui, je ne comprends pas l'épreuve. Oui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais lui, il sait. Mais il sait aussi ce qu'il y a après. Alors, je veux lui faire confiance. Alors, le Seigneur veut que nous restions plein d'espoir, malgré les circonstances. Par exemple, quand vous êtes au volant de votre voiture, que vous êtes dans un embouteillage, il y en a qui prennent ça pour une épreuve, hein. Il y en a pour qui c'est difficile. Il y en a pour qui c'est difficile. Oui, mais j'en connais d'autres où c'est pire. Où on rouspète. Oui, c'est une épreuve quand on a un rendez-vous et qu'on est en retard. Oui, c'est une épreuve et on ne comprend pas.
Mais dis-toi que peut-être le Seigneur t'aura évité un accident parce que tu auras été trop vite. Eh oui, c'est une épreuve. Seigneur sait ce qu'il y a après. Ou si aujourd'hui, par exemple, vous vous trouvez sans travail, et on sait que le travail est ô combien important, ne vous découragez pas. Dis-toi peut-être que c'est ce que le Seigneur veut utiliser pour te donner quelque chose de différent ou de meilleur. Le Seigneur sait tout, il connaît tout par avance. Dans des situations a priori négatives, on peut déjà voir un côté positif en lui faisant confiance. Parce que le Seigneur a dit, j'ai des projets de paix et non de malheur. Il sait tout. Alors, il faut aussi faire la différence entre faire confiance au Seigneur pour quelque chose ou de lui faire confiance à travers quelque chose. Personne ne se réjouit d'une épreuve, mais au travers de l'épreuve, le Seigneur peut sortir quelque chose de positif pour ta vie. Le Seigneur veut que nous venions à lui. Et dans ces moments-là, il nous fortifie. Et nous devons tout simplement tenir ferme. Alors, c'est vrai que nous avons tous des épreuves à affronter. Elles nous rendront plus forts et elles nous apprennent des choses. Je suis sûre que chacun de vous pourrait me dire « Oui, j'ai traversé telle épreuve et voilà ce qu'elle m'a enseigné. » Chaque épreuve nous enseigne quelque chose, même des fois les plus difficiles. Et cela nous aide aussi à comprendre notre frère ou notre sœur qui traverse la même épreuve. Parce que nous-mêmes, on a passé par l'épreuve. On trouve les mots et on sait comment l'encourager. Parce qu'on sait ce qu'il vit ou ce qu'elle vit. Dans Hébreux 13, 5, la Bible nous dit « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de bien actuel. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » Et lorsque nous regardons le nombre d'exemples dans la Bible de personnes que Dieu a pardonnées, restaurées, relevées, et à qui il a donné une nouvelle chance. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont nombreux ? Qu'est-ce qu'ils sont nombreux ? Dieu est le Dieu de l'espérance. Si vous ne gardez qu'une chose de ce message, Dieu est le Dieu de l'espérance. Il veut que tu gardes espoir. Et il veut que tu n'abandonnes jamais. L'espoir, comme nous l'avons vu, est l'encre de notre âme. Et l'espoir est également comparé à un casque tel que nous l'avons lu avant. Notre attitude et nos attentes sont les précurseurs de nos pensées, des pensées que nous avons et des paroles que nous prononçons. Alors chaque matin, formule des paroles de bénédiction, remplies d'espoir sur ta vie. Non de défaitisme, non de catastrophisme. Pour cela, il faut refuser de se baser sur ce qu'on ressent, ou ce qu'on voit, ou ce qu'on vit. Parce que des fois, notre vie est un chaos. Mais il ne faut pas, pour prononcer les paroles de bénédiction, il ne faut pas se baser sur ce qu'on ressent. Mais par la foi, déclarer que l'ennemi de notre âme est déjà vaincu. Nos émotions nous jouent des tours. Et nos émotions sont éphémères parce qu'elles changent. Un jour, elles sont comme ça, le lendemain, elles sont autrement. Et c'est pour cela qu'on ne devrait pas toujours suivre nos émotions. Quand nous décidons de lire la parole de Dieu ou de prier, cela génère un espoir nouveau dans notre cœur. Votre passé, et je dirais votre présent, ce n'est pas votre destinée. Ce n'est pas votre destinée. Ça, c'est sûr. Et si vous permettez au Saint-Esprit de vous conduire, Dieu, il va restaurer ce qui a besoin d'être restauré et il vous donnera une vie meilleure demain que ce que vous avez eu, que ce que vous connaissez et les épreuves que vous traversez.
Le Seigneur, il a dit à Joël, dans Joël 2, verset 25, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, il y en a un. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez, vous vous rassasirez et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que moi, je suis au milieu d'Israël. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Dis à ton voisin, il est aussi mon Dieu et il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. » Et plus, dans un autre passage, il dira au prophète Ésaïe, « Au lieu de la honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. » Amen. Leur joie sera éternelle. Si tu t'attends à lui, il te donnera le double. Crois-le, c'est la parole de Dieu. Il l'a dit, il te donnera le double. Bien plus que tu ne peux imaginer. Parce que notre vue est restreinte, mais notre foi va au-delà de notre vue. Alors, ne laisse pas le diable remplir tes pensées de choses négatives, mais fais comme Jésus. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Dans ton épreuve, quand le diable vient, il est écrit. Oui, oui, je suis dans l'épreuve, oui. Mais il est écrit. Il est écrit. Jésus est là pour vous encourager ce matin. Amen. Il est venu pour nous apporter la paix, la joie. Alors, remplissez vos pensées de l'opinion que Dieu a de vous. De vous. Et vous verrez combien l'espoir va renaître dans votre cœur. Pour cela, le secret, c'est de s'imprégner de la parole de Dieu. C'est le seul secret, s'imprégner de la parole de Dieu. Il n'y a que ça qui peut générer un espoir dans notre cœur. Il n'y a que ça qui peut nous faire voir au-delà de notre vue, mais aller au-delà pour obtenir le double. J'ai trouvé cette citation de D.L. Moody qui dit « Prenez courage. Nous marchons dans le désert d'aujourd'hui, mais dans la terre promise de demain. » Amen. Alors si tu marches dans le désert aujourd'hui, oui, tu es dans le désert, oui, mais c'est la terre promise de demain. Elle est là, elle est devant toi. Alors si tu as du mal à recevoir, à croire que Dieu veut le meilleur pour toi, ne boude pas. Ne t'éloigne pas, ne boude pas, mais laisse-toi remplir par la louange. Parce que le Seigneur veut te remplir d'un vêtement de louange. Psaume 16, verset 10. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Amen. La réalité est que nous ne pouvons pas changer les circonstances de notre vie. Des fois oui, des fois non. Des fois, ça dépend de nous. Des fois, ça dépend des autres. Mais nous sommes limités. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. Mais la présence de Dieu nous change, nous, nos pensées, nos sentiments et notre perspective. Et seule la présence de Dieu peut faire ça. Et j'aime bien, Joyce Meyer disait, nous n'avons pas à laisser demain gâché par ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Et si vous ne permettez pas à Satan de vous impressionner, il ne pourra pas vous opprimer. Et s'il ne peut vous opprimer, alors il ne pourra pas vous déprimer. Amen. J'ai trouvé ça tellement fort et tellement vrai. Alors sachez que, psaume 34, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
Oui, ça nous arrive d'avoir le cœur brisé. Oui, ça nous arrive d'être dans l'abattement. Oui, ça nous arrive d'être découragé. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Et comme cette femme enceinte qui arrive au bout, elle dit, bah oui, il va arriver. Oui, le Seigneur va arriver. Il est là et il va faire quelque chose pour toi. Alors ce matin, je veux t'encourager. Si c'est ton cas, que ton esprit est abattu, garde espoir. Garde espoir. Je t'encourage à lever les yeux vers lui, le seul rocher sûr sur lequel tu puisses t'appuyer. Fais-lui confiance et dis-lui que tu lui fais confiance. Le Seigneur aime qu'on le dise. Parce que des fois, on a confiance, mais on reste la bouche fermée. Dis-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu vois ma situation, tu vois les difficultés. J'ai confiance en toi et je crois que demain, tu agiras. Amen. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est la vérité. Ta parole nous encourage. Ta parole nous redonne un nouvel espoir à chaque jour quand nous avons tendance des fois à être découragés, déprimés. Merci pour cette parole si précieuse, Seigneur. Merci parce que tu es là. Et merci parce que ce matin, tu veux dire à chacun, jamais, n'abandonne jamais, parce que je suis là. Seigneur, merci. Tu connais toutes choses. Je bénis mes frères et sœurs ce matin. Et je prie qu'ils ressortent renouvelés de ce lieu ce matin, avec un espoir nouveau, quelle que soit la situation qu'ils traversent. Et ô combien nous savons qu'il y a des situations difficiles. Difficiles. Mais tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre espérance. C'est en toi que nous nous confions. C'est à toi que nous nous attendons. Seigneur, merci. Je prie que ce matin, la foi soit renouvelée dans chaque cœur. Que la foi soit renouvelée. Qu'il y ait une soif nouvelle de s'approcher encore plus de toi. Une soif nouvelle de lire encore plus ta parole pour te connaître mieux, pour connaître ton cœur. Et pour dire oui, oui, tout ce que tu as dit, c'est pour moi, Seigneur, c'est pour moi. C'est pas seulement pour mon voisin, c'est pour moi. Seigneur, merci. Glorifie-toi dans nos faiblesses. Glorifie-toi dans nos faiblesses. Seigneur, je veux vraiment te donner toute la gloire ce matin, à toi et à toi seul. Merci parce que tu renouvelles chacun ce matin. Merci parce que tu encourages mes bien-aimés. Merci. Merci parce que tu es le Dieu de la vie, le Dieu de l'univers. Et merci parce qu'en toi, toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Et nous n'avons rien à craindre parce que tu vis. Parce que tu vis. Tu es vivant aujourd'hui, au milieu de nous. Nous n'avons rien à craindre. Et tu es là. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Amen. Donnez-lui une acclamation à lui. Alléluia. Alléluia. Terminons par ce chant. Il y a des défis dans nos vies. Il y a des montagnes que nous avons à affronter. Et c'est vrai que nous savons que l'espoir vient lorsque nous nous confions en lui. Alors comme a dit Fabienne de nous, n'abandonne jamais, ne baisse jamais les bras. Et que le doute m'envahit, quand vient le temps
des troubles de la vie. Alors mon cœur te cherche en silence, et avec toi je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser. Car je suis fort quand de toi vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Nous chantons quand je suis las et que le doux m'envahit. Quand vient le temps des troubles de la nuit, alors mon cœur te cherche en silence, et avec toi je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Dans la vallée du deuil et de l'ombre, quand dans l'épreuve je marche dans tes voies, car c'est en toi que je mets ma confiance. Toi, mon Seigneur, mon maître et mon roi. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser. Car je suis fort quand de toi vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus vainqueur. Une dernière fois, en toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser. Car je suis fort quand de toi vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Alléluia, alléluia, amen, amen. Amen. Saisissez cette parole pour vous. Oui, tu es fort quand de lui vient ta force. Alléluia. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. On vous dit à samedi prochain, ou mercredi soir, mardi matin, quand vous voulez. On vous bénit. À très bientôt. Au revoir les internautes. Ciao, ciao. Juste, il y a quelqu'un qui a anniversaire aujourd'hui. Alors, qui a anniversaire aujourd'hui ?